Salam à vous les amis, que vous m'avez manqué. Alors soyez les bienvenus à la chronique sortie à Niamey d'agendaniamey.com. Passe le salam à ton ami. Sans plus tarder, plantons le décor. Cette semaine, il y aura la rencontre citoyenne avec le président de la République, un atelier, des contes et bien entendu du cinéma. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Commençons avec la grande rencontre citoyenne. Vous savez, le président de la République, Mahamadou Issoufou, va rencontrer les jeunes pour discuter et il veut partager avec eux son expérience de leader au soir de son mandat présidentiel. Alors en tout, ils seront 500 jeunes venus des 8 régions du pays. C'est l'occasion pour eux d'échanger avec le président de la République sur des sujets liés à la renaissance culturelle, à l'autonomisation de la femme, au maintien de la jeune fille à l'école ou encore sur des sujets liés aux défis sécuritaires. C'est ce mercredi 4 novembre au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey à partir de 9h. Parlons maintenant bande dessinée pour les amateurs. Alors pour vous, chers amis, notez qu'un atelier de BD numérique démarre ce samedi 7 novembre au centre culturel Jean Rouch de Niamey à partir de 10h. Vous êtes intéressés? Rendez-vous samedi. Et maintenant, si je vous dis histoire, que me répondrez-vous? Raconte, n'est-ce pas? Alors histoire, raconte, il était une fois. Vous l'avez compris, nous sommes sous l'arbre à parables pour vous conter deux contes. Le premier est titré « Pourquoi les hommes ont deux yeux ?» Eh oui. Le second, c'est « L'enfant qui parle et chante avec les abeilles ». Ne ratez surtout pas ces deux occasions. C'est au Centre culturel français, toujours de Niamey, à partir de 16h30 ce mercredi. Entrée libre. Terminons en beauté la chronique de cette semaine avec du cinéma pour vous annoncer deux films qui seront projetés à Canal Olympia cette semaine. Le premier est un film fantastique titré The Craft. Alors l'intrépide Anna débarque dans un nouveau lycée et se lie d'amitié avec deux nouveaux camarades. C'est ainsi que le groupe de femmes commence à se rassembler, à pratiquer de la magie, à invoquer les esprits supérieurs et espèrent voir leurs rêves se transformer en réalité. Vous aimeriez savoir comment elles s'y prennent? Rendez-vous en salle ce vendredi 6 novembre à partir de 20h. Entrée 1500 francs. Le second film, Les Trolls 2, est un film d'animation. La reine Barbe est membre de la royauté Radrock, aidée par son père le roi Trash, veulent bannir tous les autres genres de musique pour ne laisser régner que le rock. Ça précise, comme si tout le monde devait écouter la même musique. Encore heureusement que Biggie, Shiny et les autres compagnons ont trouvé du renfort pour faire opposition aux idées folles de la reine Barbe. Mais encore, parviendront-ils à relever le défi? Rendez-vous ce samedi à partir de 11h pour le savoir. Entrée 1500 francs. C'est tout pour cette semaine. Au revoir les amis et à la semaine prochaine sur agendaniamey.com pour un nouveau numéro de sortie à Niamey. Mais n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Mais encore, consultez régulièrement le site agendaniamey.com pour vous informer des multiples activités que nous partageons, que nous mettons à votre disposition. À très vite, passe le salam à ton ami.